فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Au dernier cours, nous avions parlé des catégories du tawhid. Nous avons parlé des catégories du tawhid et de la preuve de cela. Puis on a commencé à parler du shirk, du polythéisme. Et on avait cité que le polythéisme était divisé en trois. On peut le diviser en deux, on peut le diviser en trois. Certains, comme on va le voir, donne plus de catégories que cela. Quoi qu'il en soit, l'important c'est de bien comprendre son sens. Si on le divise en trois comme il l'a divisé Cheikh Ibn Baz dans son livre, il y a le polythéisme majeur, c'est-à-dire que celui qui fait un des actes parmi les polythéismes majeurs, il sort de l'islam. Il y a le polythéisme mineur, ça s'appelle du shirk. Mais c'est un grand péché, c'est parmi les plus grands péchés, mais ça ne fait pas sortir la personne de l'islam. Et il y a le polythéisme caché. Le polythéisme caché, il peut être majeur comme mineur. Il peut être majeur comme il peut être mineur, comme on va le voir. Il peut être majeur comme le cas des munafiqines, le cas des hypocrites, qui montrent une chose en apparence, mais qui ne croit pas en Allah et en son messager en réalité. Et il peut être mineur, comme le cas de l'ostentation, ou bien d'embellir sa prière car quelqu'un nous regarde. Naam. On avait parlé la dernière fois des trois méfaits du polythéisme majeur, que l'on ne trouve pas dans les autres péchés. Qui peut me les rappeler ? Barakallahu fik. La première spécificité, c'est que c'est la personne qui fait du polythéisme majeur, il est privé de l'entrée au paradis et il sera en enfer éternellement, si la personne ne s'en est pas repentie en ce monde. Le deuxième effet, c'est que c'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas dans l'au-delà. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelconque associé, mais il pardonne en dessous de ça à qui il veut. Et le troisième, c'est que toutes ses œuvres sont annulées. Tout ce qu'il a fait, c'est annulé. Tout ce qu'il a pu faire comme bien, ça devient zéro. Donc vous avez vu la gravité et les effets du shirk. Le polythéisme mineur, le shirk al-asrar. Il s'agit en fait de tous les actes qui sont considérés comme des actes de polythéisme dans les textes du Coran et de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sans pour autant atteindre le degré du polythéisme majeur. Comme par exemple l'ostentation, comme par exemple le fait de jurer par autre qu'Allah, à condition qu'il n'ait pas une croyance dans ce sur quoi il jure,
qu'elle a la même valeur ou plus de valeur qu'Allah. Comme par exemple, le fait de dire ce qu'Allah et un tel veulent. On en a parlé dans le Jumu'ah dernier. Donc tous ces actes-là et d'autres actes sont du shirk, sont appelés du shirk, car il a donné un égal à Allah subhanahu wa ta'ala, donc quelque chose qui est spécifique à lui, mais ce n'est pas du shirk majeur, ce n'est pas un shirk qui le fait sortir de l'islam. Mais ça reste quand même, barakallahu fikum, le plus grand des péchés avec lequel on désobéit à Allah. N'oubliez pas ça, le shirk c'est le pire des péchés. Même le petit polythéisme, c'est le plus grand des péchés avec lequel on désobéit à Allah. Donc il y a certaines personnes qui se permettent de jurer par autre qu'Allah, il croit qu'il n'a pas fait quelque chose de grave, il vient de faire un des pires péchés. Comme Abdullah ibn Mas'ud a dit, je préfère jurer par Allah et mentir, plutôt que jurer par autre qu'Allah. Est-ce que ça veut dire par là que c'est permis de jurer par Allah et de mentir? Non. Il a voulu montrer que un est beaucoup plus grave que l'autre. Pourquoi Abdullah ibn Mas'ud a donné cet exemple-là? On vous avait déjà expliqué que les Arabes, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a été envoyé, ils avaient certaines qualités déjà. Parmi ces qualités, c'est qu'ils ne mentaient pas. Les Arabes, ils avaient cette qualité d'être courageux. Donc du fait qu'ils étaient courageux, c'était un manque de courage de mentir pour eux. C'est une faiblesse. C'est le fait de ne pas assumer ses responsabilités. Donc ils ne mentaient jamais. De même, ils étaient généreux. Pourquoi ? De même, c'est le courage qui les a poussés à cette générosité. Car ils n'avaient pas peur du fait d'être généreux, de la pauvreté. Donc, pour les Arabes, avant l'islam, déjà mentir c'était grave. Une personne qui ment dans une tribu, il peut se faire rejeter par de sa tribu. Alors Abdullah ibn Mas'ud a donné cet exemple pour montrer la gravité de jurer par autre qu'Allah. Car déjà c'est inconcevable chez les Arabes de mentir. Alors mentir en jurant par Allah, ça n'existe pas chez eux. Et c'est comme ça qu'il leur a dit, je préfère mentir en jurant par Allah que de jurer par autre qu'Allah. C'est-à-dire ils ont dit, subhanallah, mentir en jurant par Allah, déjà pour eux c'est très grave. Donc ils ont compris que jurer par autre qu'Allah c'est encore plus grave que cela. Vous avez compris pourquoi elle a donné cet exemple ? On a vu sur cela plusieurs textes dans le Jumu'ah. On peut en reparler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut jurer, qu'il ne jure que par Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait entendu Omar ibn al-Khattab dire par mon père, il l'a repris. Et il lui a dit, celui qui veut jurer, qu'il ne jure que par Allah. Et il lui a dit, celui qui jure par autre qu'Allah, il a associé ou il a mécru. En ce qui concerne dire, je m'en remets à toi et à Allah. Et Allah et toi ont voulu. Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit cela. Allah a voulu ainsi que toi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est fâché. Il lui a dit, est-ce que tu m'as fait un égal à Allah? Tu m'as fait égal à Allah subhanahu wa ta'ala? Dit, Allah a voulu seul. Donc ça aussi c'est des paroles de shirk, mais qui ne font pas sortir la personne de l'islam. Mais barakallahu fikum, ce sont des paroles et des actes auxquels il faut faire très attention. Parmi les actes et les paroles qui sont du shirk mineur, du polythéisme mineur, qui peuvent amener au polythéisme majeur. Tous les actes qui sont un moyen d'amener au polythéisme majeur, c'est du polythéisme mineur. Par exemple, dire « Ya Allah, pardonne-moi » par la place du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est du polythéisme mineur, mais qui peut le pousser au polythéisme majeur. Parce qu'aujourd'hui, il ne l'adore pas, il ne l'invoque pas. Il lui parle seulement, il lui dit « Invoque Allah pour moi ». Mais demain, il va l'invoquer, il va se prosterner devant lui, il va commencer à tourner autour de sa tombe. Wadih ? Non. Donc, les méfaits de ce genre de polythéisme, le polythéisme mineur, c'est qu'ils annulent l'acte que la personne est en train de faire. Pas tous ses actes. Par exemple, si quelqu'un fait de l'ostentation, il fait un acte pour Allah, mais en même temps, pour que les gens disent du bien de lui, ou pour se montrer aux yeux des gens. Ça aussi, c'est du shirk. Et parfois, ça peut être même du shirk majeur. Quand la personne ne croit pas du tout en Allah, comme les hypocrites, et qu'ils font tous les actes en apparence juste pour se montrer.
aux gens. Comme Allah Ta'ala a dit, en parlant des hypocrites, il a dit, ils font l'ostentation, ils font les actes pour se montrer aux gens. Donc, faire les choses pour se montrer aux gens, c'est une caractéristique des hypocrites. Une adoration, on doit chercher en cela que le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en as-tu à faire, barakallahu fik, de la personne, elle dit du bien de toi ou elle dit du mal? Elle pense du bien ou elle pense du mal? Est-ce qu'elle peut te rajouter quelque chose dans ta vie? Est-ce qu'elle peut, le jour du jugement dernier, te sauver du châtiment d'Allah? Non. La personne qui fait les actes par ostentation, c'est comme une personne qui remplit un sac troué. L'exemple d'une personne qui rentre dans le marché avec un sac plein. Tout le monde croit qu'il est plein de pièces d'or. Ils disent « Masha'Allah » et devant tout le monde, ils se vantent. Ils marchent les épaules hautes, la tête haute. Mais quand il vient le moment de payer, il ouvre le sac, c'est que des pierres. De même, celui qui cherche avec ses actes à se montrer aux gens, c'est le même exemple que cette personne. Quand il viendra pour se faire récompenser le jour du jugement dernier, alors il n'aura rien. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le hadith al-Qudsi, c'est moi qui me passe le plus des associés. Allah ta'ala a dit, c'est moi qui me passe le plus des associés. Celui qui fait un acte dans lequel il m'a donné un associé, je le laisse ainsi que son associé. C'est-à-dire Allah, il ne l'accepte pas. Donc, barakallahu fikum, l'ostentation, surtout nous ici, dans le monde entier, nous avons appris toujours à faire toute chose pour se montrer. C'est la société matérialiste, elle nous apprend cela. Toujours faire attention au regard des autres. Toujours essayer de plaire aux gens. Subhanallah, cette maladie, elle a même atteint certaines personnes qui parlent au nom de la religion. C'est-à-dire, il va parler d'une manière et il va adapter son discours pour que ça plaise aux gens. Pas pour que ça plaise à Allah. Quand tu es assis, tu enseignes aux gens. C'est une adoration que tu fais. Au même titre que la prière, au même titre que le jeûne, au même titre que la sadaqa. Tu dois la faire sincèrement pour Allah et tu dois la faire d'une manière qui plaît à Allah. Tu dois chercher en cela la satisfaction d'Allah. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas utiliser la sagesse. Ça plaît à Allah que tu utilises la sagesse, que tu utilises les bonnes paroles pour enseigner ou transmettre aux gens. Ça plaît à Allah car c'est la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné de transmettre. Mais il y a une différence entre utiliser la sagesse et essayer de gagner la sympathie des gens et essayer de leur plaire à eux. Non pas essayer de plaire à Allah. Vous comprenez la différence? Et ça, ça fait tomber plusieurs pseudo-prédicateurs dans des erreurs, dans des choses qui sont contradictoires à la manière de faire da'wah, dans prendre des positions qui plaisent à tout le monde, ne pas dire la vérité sur Allah et sur son messager. Quand par exemple il y a des gens qui sont dans l'erreur, il ne va pas dire franchement ce que vous faites c'est une erreur. Il va essayer toujours de modérer, de dire non, tout le monde est bien, c'est à peu près pareil, il n'y a pas de problème. Ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala, il a pris le pacte avec ceux qui ont reçu la science. Quand Allah a pris le pacte avec ceux qui ont reçu le livre, vous allez l'exposer aux gens et vous n'allez pas le taire. Ils l'ont jeté derrière leur dos et ils ont acheté avec cela quelque chose à vil prix. Quelle mauvaise chose qu'ils ont pris en échange, qu'ils ont acheté. Donc essayez de plaire aux gens au point de dire le faux et de taire le vrai. Cette personne-là, elle ne parle pas pour Allah. Elle parle pour plaire aux gens. Par contre, dire la vérité, mais utiliser les meilleures manières et les meilleures paroles et la meilleure façon pour faire accepter la vérité en face, ça, c'est la sagesse. Comprenez la différence entre la sagesse et le fait de chercher autre que le visage d'Allah, l'ostentation. Celui qui fait de l'ostentation, il va, à un moment ou à un autre, maquiller la vérité ou se taire sur le faux pour ne pas mettre les gens en colère contre lui. Mais il a oublié qu'en faisant cela, c'est Allah qui est en colère contre lui. Subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qui concerne le shirk al-asghar. Maintenant, le shirk al-khafi, le polythéisme caché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Vous informerai-je de ce qui m'est plus effroyable pour vous que le faux messie ?» Les compagnons répondirent, « Et comment ?» Il dit, « Il s'agit du polythéisme caché. C'est lorsque l'individu embellit sa prière
en raison du regard que porte autrui sur lui. Ce hadith il est rapporté par l'imam Ahmed, d'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu. Et ce polythéisme caché, comme on a dit, il peut être un polythéisme majeur ou mineur. Il peut être majeur comme les hypocrites, c'est-à-dire qu'il fait ça que pour les gens, et il fait aucune adoration pour Allah. Lui, il se montre musulman, c'est tout, mais il ne croit pas en l'islam dans son cœur. Ça, c'est la grande hypocrisie. L'hypocrisie majeure, et la mécréance majeure, et le polythéisme majeur. Par contre, celui qui fait ça pour Allah, mais qui est tombé dans les pièges de son âme bestiale, qui a cherché en cela aussi l'agrément un peu des gens, ou leur remerciement, ou bien même de ne pas s'attirer leur foudre et leurs mauvaises paroles, alors celui-là, il est tombé dans Shirk al-Asrar, dans le polythéisme mineur. Qu'Allah nous en préserve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de ce polythéisme, a dit: celui-ci me fait plus peur pour vous que le Messie al-Dajjal, que le faux Messie. Et malheureusement, on en voit les effets. Il n'y a qu'Allah qui connaît ce qu'il y a dans les poitrines, mais malheureusement, comme on sait, quand un cœur est mauvais, on en voit ses fruits. Comme Allah Ta'ala dit, vous les reconnaîtrez les hypocrites, fi lahni al-qawl, dans la manière dont ils parlent. Donc il y a certains signes qui ne mentent pas, mais là, pour juger de la réalité de cette personne, il n'y a qu'Allah qui peut le savoir. Subhanahu wa ta'ala. Na'am. Tayyib, donc qui peut me rappeler les catégories du shirk? Voilà, le shirk caché, le polythéisme caché, le majeur et le mineur. On peut se suffire de dire qu'il y a le polythéisme majeur et mineur. Et le polythéisme caché, il rentrera dans une des deux catégories selon la personne. Wa'adih? Non. Quelle est la différence entre le polythéisme majeur et le polythéisme mineur? Voilà, le polythéisme majeur, la personne qui fait du polythéisme majeur, il n'est plus musulman. Alors que la personne qui fait du polythéisme mineur, il a fait un grand péché, mais il est encore musulman. C'est important de comprendre ça. La personne qui fait du polythéisme majeur, il n'est plus musulman. Tous ses actes sont annulés. Il est interdit de l'entrée au paradis. Allah ne lui pardonnera pas ce péché s'il ne s'en repent pas dans le dunya, dans ce monde, et il sera éternellement en enfer. Celui qui fait du polythéisme mineur, comme riya, l'ostentation. Si quelqu'un, par exemple, il fait une sadaqa, ou bien une salat, pour Allah, mais aussi pour les gens. Alors là, cette salat-là qu'il vient de faire, Allah ne l'accepte pas. Mais ça n'annule pas toutes ses autres salats, ça n'annule pas toutes ses autres actions. C'est clair? Chaque action selon comment il l'a faite. D'ailleurs, pour résumer ceci, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, a partagé les actes des créatures, en quatre. Il a dit, les actes des êtres humains, ou des djinns aussi, parce qu'ils sont aussi mukallafin, ils sont aussi demandés de faire les adorations et d'adorer Allah, sont partagés en quatre catégories. Dans ces quatre catégories, une seule est acceptée auprès d'Allah, et trois sont rejetées. Celle qui est acceptée, c'est celle qui est faite sincèrement pour le visage d'Allah et conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les trois autres qui sont refusées, une qui n'est pas faite sincèrement pour le visage d'Allah et qui n'est pas faite sur le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre qui est en apparence, extérieurement, faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en fait il ne le fait pas sincèrement pour le visage d'Allah. Elle est refusée. Et la dernière, c'est une qui est faite sincèrement pour le visage d'Allah. Il veut vraiment plaire à Allah quand il le fait. Mais il ne le fait pas de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné. Elle est refusée. Donc ce n'est pas comme certains disent, ah l'important c'est juste la niya. Non, si tu as une bonne niya mais tu ne le fais pas conformément cet acte-là à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas cet acte-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, celui qui fait un acte dans lequel il n'y a pas notre ordre, il est refusé. Il est rejeté. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui invente dans cette religion ce qui n'en fait pas partie, ce sera refusé et il sera refusé. Donc dans tous les actes, le seul acte qui est agréé et accepté auprès d'Allah, c'est celui qui est fait sincèrement pour le visage d'Allah uniquement et de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, conformément à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux conditions sont nécessaires pour l'acceptation d'une action. Non. Une fois qu'on a vu maintenant
les différentes sortes de shirk. Une fois qu'on a vu cela, juste après avoir parlé des différentes catégories du shirk, du polythéisme, l'imam Ibn Baz, rahimahullah, a parlé des piliers de l'islam, arkanul islam. Les piliers de l'islam, comme vous connaissez tous, ça vient du hadith de Omar ibn al-Khattab, le hadith de Jibril, qu'on connaît tous. Que Jibril est venu, il est venu sous une forme humaine, et il a mis ses genoux contre les genoux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne voyait pas sur lui les traces du voyage, et personne ne le connaissait. Et il lui a posé des questions. Il lui a dit, informe-moi sur la foi, informe-moi sur l'islam plutôt, informe-moi sur la foi, informe-moi sur l'ihsan, sur la perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a informé et Jibril a dit, sadaqt, tu as dit vrai. Il l'a informé quel était l'islam, c'est d'attester qu'il n'est nulle divinité digne d'adoration sauf Allah, que Mohammed est le messager d'Allah, d'accomplir la prière, la salat plutôt, de donner l'aumône légale, zakat, de faire le pèlerinage à la maison sacrée et de jeûner le mois de Ramadan. Dans un autre hadith rapporté par Abdullah ibn Omar, rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est bâti sur 5. L'attestation que nul n'est droit d'être adoré si ce n'est Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le pèlerinage à la Mecque, et le jeûne du mois de Ramadan. Donc on voit que l'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ressembler à une bâtisse, une construction, qui a des piliers. La chose la plus importante dans une construction, ce sont ses piliers. Quand les piliers d'une construction sont solides, alors le reste de la construction est solide. Donc depuis le début de ce livre-là, on a vu déjà le premier pilier. Depuis le début jusqu'à maintenant, on parle que du premier pilier de cette construction. L'attestation de foi. Qu'est-ce qu'elle comporte? Quelles sont ses conditions? Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi en Allah? Qu'est-ce que la foi en les anges? Etc. Donc on a parlé que depuis le début du premier pilier. L'attestation que Mohammed est le messager d'Allah, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Et quels sont les actes qui annulent cette foi-là? Donc ça, c'est la base. C'est la première des choses. Et c'est le plus important. C'est pour ça que le cheikh a commencé par cela. Après les deux attestations de foi, la chose la plus importante parmi les actes, c'est l'accomplissement de la prière. C'est la première chose parmi les actes sur laquelle les gens seront questionnés le jour du jugement dernier. Si elle est bonne, la suite sera, inshallah, facilitée et bonne. Sinon, il sera parmi les perdants, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer la gravité du fait de délaisser la prière, la salat, il a dit, entre l'individu d'une part et la mécréance et le polythéisme d'autre part, il y a le délaissement de la prière. Celui qui l'a délaissé, il a bel et bien mécru. Donc, c'est une menace et une mise en garde terrible pour celui qui délaisse la prière. Pour dire que celui qui il n'y a qu'un mécréant qui ne fait pas la prière. Donc, ça montre la gravité de délaisser cet acte-là, qui est le plus important des actes après l'attestation de foi. Non. D'ailleurs, Abdullah ibn Shaqiq a dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne considéraient le délaissement d'aucun acte comme relevant de la mécréance, exception faite de la salat. Donc c'est pour vous montrer, encore une fois, la gravité de délaisser la salat. Après, la divergence entre les savants sur le statut de celui qui la délaisse par fainéantise ou non, entre ceux qui disent que ce soit par fainéantise ou en reniant son obligation, c'est un mécréant, et celui qui dit que non, mais il fait un acte parmi les actes de mécréants. Quoi qu'il en soit, on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jugé cet acte-là, que cet acte ne convient qu'aux mécréants. Donc comment un musulman il doit se comporter par rapport à cela? Barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala a parlé des gens qui négligent la salat. Pas seulement qu'ils la délaissent. Négliger, c'est-à-dire c'est un moindre degré que la délaisser. La délaisser, c'est le fait de ne pas la faire. Négliger, c'est de ne pas la faire à l'heure, de la faire sortir de l'heure, de ne pas faire les obligations comme il faut, de ne pas faire les piliers de la prière comme il faut, de ne pas faire les ablutions comme il faut. Ça, c'est la négligence. Et en parlant de la négligence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui néglige la prière, il sera ressuscité le jour du jugement dernier avec Haman et Ubay ibn Khalaf. Et si Allah veut, il le châtiera pour cela, ou si Allah veut, il le pardonnera. Ça, c'est pas celui qui la délaisse complètement, celui qui la néglige seulement. Et Allah Ta'ala dans le Coran, en parlant des gens qui négligent la salat, il a dit que le malheur et la malédiction soient sur les prieurs.
ceux qui négligent leurs prières. Donc c'est, subhanallah, c'est des prières, mais ils ont la malédiction sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils négligent la salat. Et Allah tabarak wa ta'ala a dit, et il leur a succédé une progéniture qui ont négligé la salat et qui ont suivi leur passion, ils trouveront certainement la malédiction et le malheur. Comme Allah ta'ala a dit, sauf celui qui s'est repenti et qui a cru et qui fait des bonnes actions. Non. Pour lui montrer l'importance de la salat, il a appelé la salat iman. Certes, Allah n'allait pas vous faire perdre votre iman en parlant de la salat. Donc, pour montrer l'importance de la salat. Tous les ordres qui ont été imposés à la communauté musulmane ont été des ordres descendus du ciel sur terre. Mais pour la salat, Allah Ta'ala, il a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un voyage nocturne, puis un voyage dans les cieux jusqu'à chez lui pour lui donner l'ordre de la salat. La salat, le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir. As-salat, as-salat, as-salat. Avant de mourir, il a conseillé à sa communauté. C'est la chose dont on a besoin pour s'appuyer, pour prendre force auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments des épreuves. Et prenez aide dans la patience et la salat. Quand on a annoncé à Abdullah ibn Abbas qu'il avait perdu son frère, qu'il était mort, il était en voyage sur sa monture, il s'est mis sur le côté, il a fait 2 unités de prière. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, Allah Ta'ala a dit, وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. Prenez aide dans la patience et dans la salat. Naam. C'était قُرَّةُ عَيْنِ النَّبِي sallallahu alayhi wa sallam. C'était la fraîcheur des yeux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où il avait trouvé son plaisir, son délice dans ce monde. Ce qu'il aimait le plus dans ce monde, c'était la salat. Il passait des heures, des nuits dans la salat. Jusqu'à que ses pieds, ils enflent, ils se fendit. Alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs. La salat, c'est l'adoration avec laquelle on s'approche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les prosternations, le recours, la lecture. Donc la salat, c'est une chose à ne pas négliger. Et on va voir plus tard, quand on va parler des conditions de la salat, des piliers de la salat, c'est la suite du livre, l'importance de connaître tout cela et de les mettre en pratique. Comment on ne la néglige pas? En la faisant à l'heure. Certes, la salat, elle est pour les croyants déterminée à des heures précises. En la faisant comme il se doit. Avec toutes les conditions, on va voir les conditions. Il y a les conditions obligatoires de validité et d'autres conditions qui sont pour rajouter encore de la valeur. Et qui sont un plus. Alors on doit embellir notre salat. Allah tabarak wa ta'ala nous a enjoint à cela. La salat, c'est quelque chose de lourd, sauf pour les gens qui sont humbles, ceux qui trouvent le repos dans la prière, comme le prophète alayhi salat wa salam. La fraîcheur de ses yeux dans la salat, qui prenait appui dans les moments des difficultés, dans la salat, au moment des tentations. Quand il y a des tentations, quand on ne sait plus quoi faire, alors la salat est là. Salat, salat, les prières d'abord obligatoires, puis les prières de nuit, les prières surrogatoires, et les prières aussi pour l'istikhara, chaque choix qu'on veut faire dans sa vie, que ce soit pas seulement pour le mariage, les gens ils connaissent l'istikhara que pour le mariage. Istikhara pour faire un commerce, istikhara pour faire un voyage, istikhara pour s'associer avec quelqu'un, istikhara, chaque choix important dans sa vie, dans les choses mubaha, dans les choses halal, licites. On ne fait pas istikhara dans les choses illicites. Avant de faire istikhara, d'abord, on consulte les gens de science. Est-ce que cette chose-là, elle est licite ou illicite? S'il dit qu'elle est illicite, il n'y a plus besoin de faire istikhara. Allah t'a donné la réponse déjà. Il t'a ordonné de la délaisser. Et l'istikhara, c'est dans les choses licites. Dans les choses où tu as le choix. De même, tu ne fais pas l'istikhara dans une obligation. Par exemple, tu as une mère qui est dans le besoin. Et c'est toi le plus proche d'elle qui peut s'occuper d'elle. Il n'y a pas d'istikhara. C'est une obligation pour toi de s'occuper d'elle. Il n'y a pas de discussion. Ah, je vais faire istikhara. Non, c'est ta charge, c'est ton obligation. Tu n'as pas à tergiverser. Et l'istikhara, c'est pour les choses licites. Est-ce que je fais tel commerce ou tel commerce? Dans le halal. Ah, par exemple, on lui propose un commerce dans lequel il y a du haram, il dit, attends, je vais faire istikhara. Non, s'il y a du haram dedans, Allah t'a interdit de t'en approcher. Il t'a ordonné de le délaisser. Ça y est, l'ordre, il est déjà là. Il n'y a plus besoin de faire istikhara. Non.
Donc, salat ou l'istikhara, comme il a été rapporté, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné salat ou l'istikhara aux compagnons, comme il leur enseignait une sourate du Coran. Et il leur disait, quand une personne pense à faire une affaire ou quelque chose, qu'il fasse deux unités de prière et qu'il fasse cette invocation-là. Tout musulman doit connaître salat al-istikhara. Tout musulman devrait le faire souvent. Les savants de l'islam, l'imam al-Bukhari, chaque hadith qu'il a mis dans son livre, sahih, il a fait salat al-istikhara, après avoir fait toute la recherche. Non. Donc, voilà la place de la salat en islam. Comment on peut la négliger? Comment il y a des gens, une personne est rentrée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié, il est venu passer le salut au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, va prier car tu n'as pas prié. Il est reparti, il est revenu lui passer le salam, il lui a dit, va prier car tu n'as pas prié. Une troisième fois, il lui a dit, oh messager d'Allah, c'est la seule manière que je connais. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enseigné comment faire salat. De prendre une pause dans chaque position, se mettre debout, de faire le takbir, de réciter la fatiha, de prendre une pause, d'aller en inclinaison avec concentration, de prendre bien une pause en inclinaison jusqu'à que tous les os prennent leur place, de remonter de l'inclinaison, rester bien droit jusqu'à que tous les membres et les os bien prennent bien leur place, etc., etc. Chaque pilier de la salat. Combien de gens aujourd'hui on voit, ils font salat comme des coqs. Aussitôt, il s'est relevé du recours que sa tête, elle est désenchevelue. C'est comme un ressort. Cette personne-là, sa salat, elle n'est pas acceptée. Il faut qu'il reste, après le recours, bien droit. Dans le recours, bien droit. Dans le sujoud, dans la prosternation, bien prosterné. Dans l'assise entre les deux prosternations, il faut que tous les membres y prennent leur place. Au moins minimum, le temps de dire un tasbih. Au minimum, il faut qu'il reste immobile au minimum le temps de dire un subhanallah. Celui qui néglige cela, il fait partie des gens qui ont négligé la salat. Celui qui ne fait pas bien les ablutions, il fait partie des gens qui négligent la salat. Car les ablutions sont une condition de validité pour la salat. Donc, inshallah, c'est pour ça qu'après avoir parlé succinctement des cinq piliers de l'islam, on va parler, Inch'Allah, des conditions de validité de la salat, des piliers de la salat, des obligations de la salat, des actes recommandés dans la salat. Non. Donc, après la shahadatain, après les deux témoignages, l'acte le plus important, c'est la salat. Juste après vient la zakat. Barakallahu fikum, la zakat. C'est une obligation qu'Allah tabarak wa ta'ala a donnée pour toute personne qui remplit les conditions. Il y a deux zakats obligatoires minimum pour les gens. La zakat al-fitr, ça c'est pour toute personne qui trouve à manger pour lui et sa famille pour un ou deux jours. Donc presque tout le monde. Celle-là, elle est obligatoire. Et selon la situation des gens, il y a d'autres zakats qui sont obligatoires. La zakat sur l'or, la zakat sur l'argent, la zakat sur l'argent que tu épargnes. Chaque personne concernée, elle demande pour savoir sur quoi elle doit sortir zakat et comment elle sort la zakat. Les personnes qui épargnent de l'argent. Ceux qui mettent de l'argent de côté. À partir du moment où il atteint une certaine somme, il devra sortir la zakat dessus s'il garde cette somme-là un an. S'il garde cette somme-là un an. Cette somme-là, les savants ont divergé, est-ce qu'on l'annexe sur l'or ou sur l'argent? Certains ont dit on l'annexe sur l'argent. Ceux qui disent qu'on l'annexe sur l'argent, le taux d'imposition est beaucoup plus bas. Il est très bas. Car c'est 595 grammes d'argent. Donc ce qui équivaut au prix de 595 grammes d'argent, on sort la zakat dessus. On regarde le cours de l'argent, par exemple, aujourd'hui il est de combien? Par exemple le lingot d'argent, il est de combien? Et on fait le produit en croix, on fait le calcul, et on voit ça donne combien en euros? 595 grammes d'argent, ça fait combien d'euros? Dès qu'on a atteint cette somme-là en euros, et qu'on la garde un an, on doit donner la zakat dessus. C'est clair? D'autres voient qu'on l'annexe sur l'or. Et ceux qui l'annexent sur l'or, la somme est beaucoup plus élevée. Ceux qui l'annexent sur l'argent, à partir de 500 euros, je crois, ou même moins, il doit sortir la zakat. Ceux qui l'annexent sur l'or, c'est 3000 et quelques euros.
3000. Ce qui est pratiqué en général en France, c'est que les gens ils l'annexent sur l'or, c'est la fatwa qui est répandue en France. Donc, en général, celui qui a 3000 et quelques euros et plus, parce que c'est ça maintenant, avant c'était 1500 euros, mais avec l'or qui a doublé de prix, maintenant c'est 3000 et quelques euros. Donc celui qui a 3000 et quelques euros de côté et qui garde ça un an et plus, par exemple un an après, il a 5000 ou 6000 euros, le plus facile pour lui c'est de sortir sur les 6000 euros 2,5% directement. Car l'autre manière de calculer elle est trop compliquée. Il faudra qu'à chaque fois qu'il atteigne 3000 euros, il recompte un an. Un an, donc ça va être compliqué. Il va devoir sortir zakat à plusieurs moments de l'année, très difficilement calculable. C'est que sur l'argent qui est épargné, qui est gardé. Il n'y a pas de zakat à sortir sur les biens, comme la voiture. Ce qu'on consomme. Si quelqu'un touche même des gros salaires chaque mois, mais il le dépense, il ne garde rien, il n'a pas de zakat à sortir. Justement, la zakat, ça encourage à faire quoi ? Tourner l'économie. Alhamdulillah, à donner aux pauvres, à faire des sadaqas, à faire des dons, à acheter, à vendre, à faire que l'économie, alhamdulillah, elle soit toujours active. Naam. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur zakat ? Ça, c'est les gros traits pour que vous preniez un peu conscience de comment ça se passe, le névram de zakat. Zakat aussi, on ne peut pas la donner à n'importe qui. Zakat, il y a des gens précis à qui on peut donner la zakat. À personne d'autre à part ces gens-là. C'est pas comme la sadaqa. L'aumône qui est surérogatoire, c'est plus large, tu peux la donner à qui tu veux. Mais la zakat, zakat ul mal par exemple, ou la zakat, tu peux pas la donner à n'importe qui. Tu peux pas la donner où tu veux, comme tu veux. Les prioritaires, ce sont les pauvres et les nécessiteux parmi les musulmans. La zakat, elle se donne qu'aux musulmans, sauf dans un cas précis, ceux qu'en donnant la zakat, on peut les attacher leur cœur à l'islam, c'est une cause qui rentre en islam. C'est les seuls non-musulmans à qui on peut donner zakat. À part ça, la zakat, elle peut être donnée qu'à un musulman. Alors qu'une sadaqa, elle peut être donnée à un kafir. Wadih ? Bien sûr, le musulman est toujours prioritaire. Mais on a le droit de donner à un kafir la sadaqa. S'il a besoin, on peut lui donner. Mais on ne lui donne pas pour qu'il l'utilise dans le haram. On lui donne pour qu'il l'utilise dans le halal. Si on a peur, par exemple, on sait que c'est quelqu'un qui boit de l'alcool tout le temps, on lui achète de la nourriture au lieu de donner de l'argent. Si on sait que c'est quelqu'un qui se drogue, on est sûr, on ne va pas lui donner de l'argent, il va aller se droguer avec. Même un musulman, si on sait qu'il boit de l'alcool, ou qu'il se drogue, ou qu'il va faire des choses haram avec l'argent, on le sait, ce n'est pas juste des doutes. On le sait, alors on lui donne en matière première. Comme ça, il ne peut pas aller l'utiliser dans le haram. Zakat, autre chose aussi que je veux dire. Comme ici, la plupart des gens ne suivent pas le calendrier islamique. Ils ne le connaissent même pas. Si on demande à chacun ici, cite-moi les 12 mois du calendrier islamique, je ne sais pas s'il y en a un qui les connaît. Alors, barakallahu fikoum, il y a une manière plus simple de sortir la zakat. Moi, je vais vous donner la manière la plus simple. Il est permis de sortir zakat en avance, mais il est interdit de la sortir en retard. Il faut savoir ça. Si, pour te faciliter, tu veux choisir un mois dans l'année qui est plus facile à te souvenir pour toi, comme le Ramadan, ou comme Muharram, un mois, une date qui est facile pour toi de te souvenir. Alors tu as le droit de sortir ta zakat en avance à cette date-là pour que tous les ans tu la sortes à la même date. Voilà. Mais tu n'as pas le droit, par exemple, pour sortir zakat pour Ramadan, de la retarder. Si toi tu devais sortir zakat en Sha'ban, tu n'as pas le droit de la sortir au prochain Ramadan, un an et un mois après. Ça, c'est haram. Tu peux la sortir même un mois après. Toi, ta zakat, c'est Sha'ban, tu la sors Ramadan. Un mois après, pour que après tu la sortes tous les ans au Ramadan. Tu peux faire ça. Mais tu ne peux pas la sortir en retard. Wadih, Inch'Allah, ça c'est très important. Donc ce que je conseille aux gens qui ont de l'argent de côté, il doit tout compter, tout son argent de côté. Que ce soit dans son compte courant, ou alors dans ses poches, ou dans des cartons chez lui, ou à l'étranger, le mouhim, tout ce qu'il possède. Au moment de sortir la zakat, il comptera tout. Wadih. Et il sortira, Inch'Allah, la zakat dessus, une fois par an, sur tout ce qu'il possède. C'est beaucoup plus simple de calculer comme ça, plutôt qu'à chaque fois qu'on atteint le nisab, à chaque fois qu'on atteint la somme imposable, on recalcule un an. Ça, il se peut que la personne, elle va devoir sortir 3 ou 4 fois zakat toute l'année, il faut qu'il soit incomptable. Il faut qu'il fasse attention à chaque fois, il compte bien, il va s'y perdre. Donc c'est plus simple de faire de cette manière, comme ça, il va sortir en avance pour certaines dates, mais au moins, alhamdulillah, la zakat, il sera sorti toujours à temps, Inch'Allah.
Beaucoup de gens négligent cette obligation de donner la zakat. Et ils ne savent pas que c'est un pilier de l'islam. Un pilier. Allah Ta'ala, déjà dans le Coran, a lié la salat avec la zakat. Wa aqimus salat wa atuz zakat. La zakat, ce n'est l'argent là que tu as. La part de zakat, ce n'est pas ton argent. Quand tu le gardes, tu es un voleur. Tu as volé la part des pauvres, des nécessiteux ou de tous ceux qui ont droit à la zakat. Tous les ans, tu fais un grand péché et en plus tu voles. Parce que ce n'est pas ton argent. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après sa mort, les tribus arabes qui venaient de rentrer en islam, après sa mort, certains ils n'ont pas voulu donner zakat. Pour plusieurs raisons. Certains ils ont mécru en l'islam. Ils ont dit le prophète Mohammed il est mort, ça y est je ne suis plus musulman. Certaines tribus. Certains d'autres, ils ont renié. Ils ont dit que la zakat ce n'est pas obligatoire à donner, on ne la donne qu'à Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on ne le donne pas aux autres. Certains d'autres, ils savaient que c'était obligatoire, mais ils ne voulaient pas la donner. Ils se sont mis d'accord tous ensemble, on ne donne pas. Abu Bakr al-Siddiq, il a fait une armée, il les a combattus pour ça. Tous ceux qui ne voulaient pas donner la zakat, il les a combattus jusqu'à la mort. Ou ils donnent la zakat, ou c'est la guerre jusqu'à la mort. Si on était dans un pays musulman, quelqu'un qui ne donne pas la zakat et qui se fait attraper par l'État, il y a un hadith sahih qui dit le gouverneur lui prend la moitié de ses biens comme punition. La moitié de tout ce qu'il possède. Allez, comme ça la prochaine fois on va voir. Celui qui se fait attraper, qui ne donne pas la zakat, ou bien l'État, le gouverneur musulman, il l'attrape la main dans le sac à tricher, à ne pas donner la zakat alors qu'il en a les moyens, s'il est ignorant, s'il voit qu'il n'a pas fait exprès, peut-être il peut lui pardonner, lui demander de donner la zakat. Si par contre il voit qu'il a fait exprès, et s'il s'est fait attraper, alors la moitié de ses biens seront confisqués. Il sera distribué aux pauvres et aux nécessiteux. Comme ça, ça lui apprendra pour la prochaine fois. Allah lui avait demandé que 2,5%, il n'a pas voulu, on lui prend 50%. Comme ça, la prochaine fois, il ne recommencera pas. Wadih, Inch'Allah ? Non. On peut parler beaucoup sur zakat. Ça, je vous donne que quelques points qui montrent l'importance déjà de donner la zakat et la gravité de ne pas donner la zakat. Plusieurs versets, comme Allah Ta'ala a dit, on leur avait pourtant ordonné d'adorer Allah d'un culte pur, tendant vers le vrai, et qu'ils accomplissent la salat et qu'ils donnent la zakat, et voilà la religion juste. Ou de droiture. Non. Et en parlant de la gravité de ceux qui ne donnent pas la zakat, Allah tabaraka wa ta'ala a dit, ils seront brûlés, leur front et leur côté, dans l'enfer de ceux qui ne veulent pas donner la zakat. Ceux qui accumulent l'or et l'argent, donc l'argent aujourd'hui qu'on utilise même papier, il est considéré comme l'or et l'argent. Et qui ne le dépensent pas sur le sentier d'Allah, annonce-leur un châtiment douloureux. Le jour où on va leur brûler leur front, leur côté, leur dos, voilà ce que vous avez gardé de côté, goûtez à ce que vous avez gardé. Donc, ne pas donner la zakat alors qu'on a les moyens, c'est un grand péché. On a délaissé un pilier parmi les piliers de l'islam. Non. Faire le pèlerinage à la maison sacrée, l'iman istata' ilayhi sabila, comme Allah Ta'ala a dit dans le Coran, le Karim, et compléter le grand et le petit pèlerinage pour Allah, ou le hajj, le pèlerinage, et la umra, et la visite pieuse pour Allah. Et Allah Ta'ala dit, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Et il incombe aux gens de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour celui qui en a les moyens. Toute personne qui a les moyens, musulmans, qui a les moyens physiques et les moyens matériels pour aller faire le pèlerinage, alors il est obligé d'y aller. Il faut qu'il y aille. C'est un pilier de l'islam. Ce n'est pas comme certains disent, « Ah, quand j'aurai 60 ans. » Allah, il ne t'a pas dit quand tu as 60 ans. Alors fais la prière que quand tu auras 60 ans. Donne la zakat que quand tu as 60 ans. Le hajj, c'est pareil. Dès que tu as les moyens, tu y vas. À partir du moment où tu es pubère, c'est-à-dire à peu près 15 ans maximum. Dès que tu as les moyens physiques,
et la santé et les moyens financiers, tu pars au Hajj. Obligatoirement. Il a été rapporté de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qu'il a dit, celui qui avait les moyens de faire le Hajj et qui ne l'a pas fait, qu'il meure juif ou chrétien. Vous imaginez la gravité? Il a dit, celui qui avait les moyens de faire le Hajj et qui ne l'a pas fait, qu'il meure juif ou qu'il meure chrétien. Pour vous montrer, aujourd'hui on voit des gens, ah non, là j'ai pas assez pour partir avec ma femme, alors je pars pas. Dès que tu as les moyens, tu pars, t'es pas obligé d'attendre ta femme. Ta femme, c'est si elle, elle a les moyens que ça devient obligatoire pour elle. Si elle n'a pas les moyens, c'est pas obligatoire pour elle. Tu n'es pas obligé, toi, de lui payer. Si tu lui payes, c'est un ihsan, c'est une bonne chose, alhamdulillah, qu'Allah accepte, c'est bien. Mais ce n'est pas une obligation. L'obligation pour elle de faire le hajj, c'est quand elle aura les moyens, elle, de son propre argent. Toi, tu as l'argent pour partir, mais parce que tu n'as pas assez pour partir à deux, tu ne pars pas. Ça, tu n'as pas le droit, tu pars. Tu pars déjà, toi, faire ton obligation. Et Inch'Allah, Allah Ta'ala facilitera pour partir avec ton épouse. Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Ne retarde pas. Dès que tu as les moyens, va faire le pèlerinage. Sacré, le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Et le dernier pilier, c'est Sawm Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan. C'est un mois où Allah Ta'ala a rendu le jeûne obligatoire pour tous ceux qui sont capables de jeûner. Celui qui est malade, celui qui est en voyage, il rattrape. Celui qui a une maladie incurable ou qui est trop âgé, il ne peut plus jeûner. Cela, yut'imoun, ils nourrissent. Ils nourrissent, ils nourrissent des pauvres pour chaque jour qu'ils n'auront pas jeûné. Non. Celui qui délaisse le jeûne d'un jour de mois de Ramadan, intentionnellement, sans raison valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus quand il est parti avec Mikaël et Jibra'il, ils sont venus le chercher pendant qu'il a vu ça en rêve. Les rêves du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation, c'est pas comme nous. Il est marché avec eux, il a vu dans une vallée des gens attachés par leurs tendons d'Achille, derrière les pieds. La tête en bas, attachée en haut des vallées, en haut des crevasses. La tête vers le bas. Et leur bouche, elle est déchirée jusqu'aux oreilles et le sang écoule. Il a demandé qui sont ces gens-là. Alors ils lui ont dit, ce sont les gens qui ont rompu le jeûne sans raison valable. Ce sont les gens qui ont rompu le jeûne sans raison valable. Donc, délaisser le jeûne de Ramadan, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un pilier aussi de l'islam. Et l'imam al-Dhahabi dans le Kaba'ir, dans son livre Al-Kaba'ir, les grands péchés, dit celui qui ne jeûne pas, on doute sur son islam. On a des doutes, est-ce qu'il est musulman? Car comment un musulman il peut délaisser cet ordre, un pilier parmi les piliers de l'islam? Il n'y a que vraiment quelqu'un de très faible dans la foi ou un mécréant pour délaisser le jeûne. Ou un des piliers de l'islam. فنسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا ما يحب وارضاه والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما